Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle série sur WWE Supercell. Oula, je sais pas ce qui s'est passé avec mon accent. Bon, nouvelle série en fait, on va juste un peu jouer, on va faire un peu de tout. Donc voilà, dans cette nouvelle série, donc là c'est la saison 2. Donc moi, à la saison 1, j'en étais à 534 victoires et 108 défaites avec ça. Hulk Hogan, Stardust, Kane, voilà, un très bon deck. Enfin, assez bon. Alors que là, exhibition, j'ai commencé hier, en fait, du coup, j'ai que ça. Donc ça va pas être fou pour débuter. Mais je pense... alors, attendez. Déjà, j'aimerais bien faire le En route pour la gloire. Ben non. Ah oui, c'est jeudi, pardon. C'est jeudi. Donc voilà, donc... Déjà, bonus d'identification, j'en suis à 2 jours. Encore 3 pour avoir Shawn Michaels. Ah, est-ce que j'ai le temps? C'est par mois, du coup. Non, j'ai pas d'équipe. Tac. Ouais, c'est bon. Je peux avoir... Ben là, faut que j'aille tous les jours jusqu'au 31 pour avoir Shawn Michaels. Mais je pourrais avoir que Shawn Michaels. Mais je pense que maintenant, faut vraiment que j'aille pour gagner les meilleurs. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les oranges. Les oranges, ça doit être les épiques. Épiques, je crois. Ouais, c'est épique. Donc voilà. C'est quoi ça? Est-ce que j'en ai assez? Ah, 90. Courante à épique. Ah ouais, mais courante à épique, c'est vraiment... Et moi, avec la chance que j'ai, non merci, quoi. Courante à épique, putain. C'est mal au cul. Pack à thème. 1250 divers. Rareté en fonction du niveau du deck. Ouais, ben non, ce sera rare, donc c'est pas ouf. Bref, bon. On va faire quelques matchs exhibition. On va aller jusqu'à les 15 victoires dans cette vidéo. À peu près. Et après, on commencera le King of the Ring. Donc là, c'est la première vidéo où j'explique tout ça. Allez, on va affronter lui. Il n'a jamais joué. Ça va être son premier combat face à moi. Allons-y. Donc je passe, hein, parce que voilà, après c'est un peu trop long. Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu, je trouve. Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc vitesse. Bon, on va prendre Summer Rae, non, Emma, pardon. Donc c'est Emma peu courante contre Emma courante, donc je vais gagner logiquement, voilà. Robustesse, on va mettre moins 6 en robustesse et charisme sur l'adversaire. Et on va mettre Dummies, voilà. Heureusement que j'ai mis ça, sinon j'aurais été dans le caca. Ah non, je crois qu'il va gagner. Ouais, merde. Robustesse. J'ai pas beaucoup de robuste. On va mettre Hideo Itami. Oh là là. Oh, j'ai un de plus. Samoa Joe Hideo Itami, j'ai un de plus que Samoa Joe. Alors, faut savoir que j'ai un peu entraîné de mise. Mais vraiment un peu, quoi. Alors, on a deux pioches. Une table, ok. J'en avais déjà une. Énergie. Ça, j'en ai 18 000 à peu près. Mais ça, ça va hyper vite. On va prendre, allez, encore lui. J'ai même pas gagné de catcher. Hein. Allez. Vitesse et charisme. On va prendre moins 6 en charisme, là. Et se mise avec Stardust. J'espère qu'ils sont compatibles. Kane Edge sont pas compatibles quand même. Oh non, ils sont compatibles, merde. Oh, on a gagné quand même. Robustesse et charisme. Donc on va prendre Hideo Itami. Heureusement que c'est Big Show en courante. Charisme, on va prendre Emma. Boum. 3-0, voilà. Et donc là, ça nous fait 3 pioches. C'est une petite nouveauté. Maintenant, ça dépend du nombre de points qu'on a eu. C'est quoi ça? D'accord, intéressant. Ouh, Fandango. Et The Big Show. Ok. The Big Show en peu courante. C'est qui lui? Bad Boy, c'est qui la photo? Je connais pas ce catcheur. C'est la première fois que je vois un catcheur que je connais pas, honnêtement. Sans me vanter. Donc, si on échange... c'est qui le... Moins bon, non, c'est Curtis Axel, le moins bon des vertes. On va l'échanger avec The Big Show. Voilà.
Donc moi je procède comme ça. Donc je suis presque en super rare du coup. C'est rare, super rare après peut-être. Oula, 34 victoires, 38 défaites. Lui il est un peu plus, voilà. Allez, première défaite pour lui. Pour son deuxième match. Putain, quand... c'est dommage, j'ai un petit bémol avec la saison 2. C'est qu'on récupère pas les cartes qu'on avait lors de la saison 1. Et également que j'ai pas la TNA, ça c'est vraiment dommage. On va mettre moins 7 en puissance sur l'adversaire. Oh, pas besoin. Dommage. C'était pas si besoin que ça. Oh, bah eux aussi, ils font pareil, donc si en fait. Elles sont incompatibles en plus. Donc si ça tombe bien pour nous. Boum. Puissance et vitesse, donc on va mettre de mise. Ah non, c'est solo, pardon. Je croyais que c'était tactile. De mise à tous, ancienne équipe. Vitesse et charisme, donc on va prendre notre ami Stolest. Oh merde. Ouais. Non, pardon, après courante, c'est rare, voilà. C'est pas super rare. Super rare, c'est les cartes bleu foncé. Je sais pas s'il y a 10 sont encore, j'en ai pas vu pour l'instant. En même temps, c'est normal. Fernando. Ouh, The World qu'on peut courante, ça c'est bien. Ça c'est plutôt bien. Donc le plus nul cette fois-ci, je crois que c'est Hideo Itami. Ouais, Hideo Itami, et on va l'échanger avec The World. Dommage parce que j'aime bien Hideo Itami d'habitude. Mais bon, voilà. Je commence à plus avoir de voix. Allez, premier match pour. Oula, il y a beaucoup de premiers matchs. John Cena, là, il a l'air nul. On va prendre. Oh là là. Allez, on va prendre Amdo. Parce que il a. Je sais même plus comment il s'appelle ce catcher. Je le connais, mais je me souviens plus comment il s'appelle là. Et les autres, Shawn Michaels et Bryan. Même si c'est en courante, ça peut être dangereux. Robustesse et charisme. Oh, bim. Les deux de notre truc. De notre carte. Et on va prendre du coup bah, les deux. Ah non, c'était qu'une. Non, mais je sais pas pourquoi, moi je crois que c'est que les tag teams. Donc Emma contre Emma, hein, bien sûr. Puissance. Allez, là je suis dans la merde. Oh non! Franchement, j'aurais gagné de 1. Dommage. Solo puissance, 112. Non, on prend pas de bonus. C'est bon. Ouais, on a gagné. Toujours pas de défaite pour moi. Toujours pas de défaite. C'est plutôt cool. Bon, ça serait bien que j'ai une rare là au bout d'un moment, quoi. Booker T et Rusev. Rusev. Oula, il y a du lourd. On va prendre Seth Rollins. Tiens. Un méga joueur favori à WWE actuellement. J'adore. Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose. Je rêve toujours de la reformation du Shield, hein, bien sûr. On va mettre moins 7 en puissance sur l'adversaire. On va mettre The Big Show et The Miz. Hop là! Incompatible. Je suis peut-être dans la merde un peu, non? Ah ouais, mais d'où incompatible? The Miz et Big Show ont déjà été en équipe, quoi. C'est un peu de l'arnaque. C'était Show Miz à l'époque. Une très bonne équipe. Après, ça s'est transformé en Jericho et Show, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus. Vitesse, on va prendre Starlust. Ah, les deux, d'accord. De toute façon, ils ont le même nombre de vitesse. Ah merde, ils sont compatibles, Michael et César. C'est vrai que ça se fait une belle équipe, alors que Dorothy Stardust, c'est moi qui fais en direct. Ah, 3-0, yes, on a 3 pioches. Donc, j'ai dit qu'à 15 victoires, j'aurais été cette première vidéo. Après, on commencera. Le en route pour la gloire, le... Oh, on a Roman Reigns en rare. Non. C'est cool. Roman Reigns en rare, Tyson qui est un peu courante, et... Robustesse, d'accord. Ah, faut que je les utilise. Ouh, Roman Reigns en rare, ça c'est cool. Alors, qui est le moins bon? Je crois que c'est Stardust. Ouais, Stardust, Tyson Kidd, non, il est moins bon que toutes celles-là. Donc on va mettre notre ami... où est-il? Il est tout en logement. Roman Reigns. Oh yeah. Je suis content. Et on est en super rare. Ah non. Ah non, on était déjà en rare. J'ai cru qu'on était en courant. Nous. C'est pour ça, donc voilà. Ouh. Si je fais améliorer, qui est le moins bon? Ah, Roman Reigns, c'est moins bon que Demise. Ah, t'as mal au cul, quoi. C'est vraiment mal. Je ferai ça en off. Je ferai ça en off pour améliorer les cartes. Donc... On va affronter R-Truth.
Ça, c'est une technique de ne pas mettre sa carte la plus forte en comme là. Moi, j'ai mis deux mises, mais comme c'est une de mes cartes les plus fortes. Enfin, c'est ma plus forte, mais bon. Elle est pas non plus... Alors, robustesse, on va mettre moins 6 en robustesse. On va mettre Woman Range, puisque là, c'est un 9. Bouillard. Diva robustesse, c'est 83, c'est bon. Tranquille. Robustesse vitesse, bête de mise. Tranquille. Voilà. Donc on a gagné. Le courant de vitesse, ok, cool. Oh, super rare direct. Bim, direct super rare. Ah, là, je suis content. Oh, Blake. Oh, il y est, Blake. Il y a Blake et Murphy, ça, c'est cool. Je m'y attendais pas. Ah, là, je suis content. J'ai Randy Orton. Donc, qui est le plus nul? C'est le Big Show, d'accord. Donc, le Big Show, on va aller changer le coup avec Randy Orton. En plus, un de mes catcheurs favoris. Je suis super content. Je vais faire ça parce que ça me stresse. Et là, est-ce que la nouvelle diva est plus forte? Non. Non, non, non. Oh, on commence à avoir un très bon deck. On commence à avoir un plutôt bon deck pour... En plus, on est super rare plus. Magnifique, magnifique. On va mettre... allez, Stinkora. C'était mon catcheur favori avant. Stinkora. Puissance. Tag team. Ben, moins 7 sur l'adversaire. On va mettre Randy Orton. Et deux mises qui sont compatibles. Oh, Eric Owen et Sincara, s'ils sont compatibles. Ils sont compatibles. Oh, oh non. Eric Owen et Sincara sont compatibles. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Tag team puissance. Heureusement que c'est... Oh, ben, quoi? Ils sont incompatibles, mais ils sont juste cousins. Mais à part ça, tout va bien. C'est un des défauts du jeu, ça. Roman Reigns et The Rock sont incompatibles alors qu'ils sont cousins. Au calme, d'accord. Je comprends pas le principe, mais bon. Et voilà, 3-0. Boum. Échelle, d'accord, c'est de la merde. Oh, Booker T en peu courante, c'est cool. Et de Rock en courante, ok. Donc on avait dit Booker T un peu courante. Est-ce qu'il est meilleur que The Rock? Je pense pas, non. Il nous faudrait encore une rare, ce serait pas mal. Plus que 4 victoires. Toujours pas de défaite hein, pour nous. C'est qui ce catcher là? Dead Killer. Je sais pas qui c'est. Mais on va aller l'affronter, même s'il a l'air plutôt fort. Il a plus de victoires que nous, mais plus de défaites également. C'est qui? C'est ouf, il y a des vieux catchers. Vitesse et charisme pour les divas. Vitesse et charisme, on va mettre ça parce que j'ai peur. Hein. Ah, c'est qu'une seule. Allez, allez Emma, allez, je vais la conne. Robustesse et charisme, solo, ben, Randy Orton. Ah oui, Coco Beware, bien sûr. Je l'ai pas reconnu. Avec son perroquet, j'aurais reconnu, mais là non. Ok, vitesse. On va mettre Mr. The Miz. 3-0, voilà. Tranquillement. Voilà, une énergie, bien sûr. Adam Rose. Énergie. Ça me saoule, ce truc, mais un point. Je dis pas, quoi. Vitesse, j'ai de la merde. J'ai de la grosse merde. Oula, il y a un mec en super rare. Et j'ai envie d'aller affronter Sinkara encore. Voilà. Donc plus que 3 victoires. Toujours pas de défaite, là je suis content. Puissance et robustesse, ben, Randy. Hein. Vas-y. Robustesse et charisme. 109-107, ouais. Ah ben parfait. On va faire ça. Ah oui, c'est Hillbilly Jim, voilà. Je me rappelle plus de son nom, mais j'ai commencé. Et puissance pour les divas.
Ça va, je suis tranquille. Ok. Trois petites pioches, ça c'est cool. Edge, je l'avais déjà celui-là. Oh, Woosterf, en plus courante. M'étonnerait qu'il soit plus fort que The Rock. On va vérifier quand même, on sait jamais. Non. Oula, il est même moins fort que Booker T Big Show, quoi. Ok, The Rock. Oh, il y a Bruno Sammartino, énorme. Énorme, il y a Bruno Sammartino. Allez, je vais le tenter. Il a eu Bruno Sammartino quand même, c'est ouf. Franchement, Bruno Sammartino en mode légende, ça doit être une machine. Macho robustesse, donc on va faire ça. Il a porté un air KO, vous avez vu. Mais qui commence à se faire des films, allez. C'est la seule fois où on va voir The Miz battre Stone Cold, voilà. Tag Team Puissance, oula, je suis ma merde. Oh, il y a Charlotte, ça c'est cool. Elles sont incompatibles alors qu'elles sont dans la même équipe, tu sais, Charlotte et Natalia, enfin, en ce moment. Ah, perdu. Mais j'ai, enfin, perdu ce combat, mais j'ai gagné. Et donc là, logiquement, j'ai que deux pioches. Ça, c'est plutôt intéressant. Oh, Dolph Ziggler un peu courante. Et Biggie en courante, voilà. Est-ce que... On va vérifier encore une fois, mais ça m'étonnerait. Dolph Ziggler, non. Comment je peux savoir, si vous me demandez, c'est qu'en fait, la plus forte est obligatoirement devant, en fait, tout simplement. Donc là, ma plus forte est Orton, ensuite Demise, Roman Reigns, The Rock, Booker T, voilà. Bon, bah, on va affronter le seul rare. Parce que je suis un peu une flippette. Hein. Merde, j'en suis à combien de victoires? Va falloir voir, je pense que ça va être ma 15e. Vitesse et charisme. Bah, Randy, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, tag team. Demise. Boum. Charisme, tag team diva. On va faire ça, ça et ça. Putain, j'ai la voix qui part en couille, ça me saoule. Merde, j'ai bien fait de faire un provoque. Donc, si vous voulez savoir, j'ai un nouveau téléphone, donc là, je vais faire beaucoup plus de vidéos. Oh putain, je gagne de 1, j'ai de la chance. Je ferai beaucoup plus de vidéos sur jeux mobiles, je ferai du Hearthstone, je ferai du Supercard, là, je ferai du Marvel Tournament of Champions, voilà, je ferai beaucoup de choses plutôt intéressantes. Fernando, Dean Ambrose, et Dolph Ziggler, qu'on vient d'avoir. 15 victoires, voilà. Donc voilà, j'espère que ce jeu va vous plaire. La prochaine fois, on entamera un King of the Ring ou un En route pour la gloire. Ça dépend quand est-ce que je commence, quand est-ce que je fais la vidéo. Donc on verra par rapport à ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Rivna. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je dis bye tout le monde.